Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars, c'est le jour où je vous publie cette vidéo. On est le premier et je me suis lancé un challenge pour tout le mois d'avril, c'est de poster une vidéo par jour tout le mois d'avril. Donc aujourd'hui, on est mercredi, donc mercredi, c'est la journée des enfants. Donc vous allez entendre chouiner un petit peu à droite et à gauche parce que Léo n'est pas content. Kevin va rentrer dans pas longtemps, bah il arrive, avec les chiens et on va aller se promener sur la plage. Voilà. Qui s'y fait? Attention, hein. Fais attention. Boing, boing, boing. Ouais. Bravo. Bravo, t'es trop fort. Et ça? Tu vas aller voir papa? Pas. Tu tournes à droite? Vas-y. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Oui. Bon, on profite un petit peu de la plage. Même si Kevin, là, il en a marre. Il y a des bêtes d'orage partout. Il y a plein de petites bêtes d'orage partout, c'est une horreur. Il y a des... Les petits sont là, ils sont tranquilles. Ça va bébé? Oui, ça va bébé. J'avais acheté ça l'année dernière, ils n'avaient jamais pu l'utiliser. Du coup, j'ai ressorti ça. Ils peuvent jouer ici. On va bien laver les mains et tout en rentrant. Hein. Tu retournes trop vite, Liam. Vas-y, remplis. Vas-y, vas-y, remplis. Voilà. Vas-y, retourne. Hop. Ouais, voilà. Vas-y. Wow. Bravo. C'est beau le train. Ça va? Tu bronzes? Non. Tu as la marque du masque, c'est bien. Allez, attention, 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 attention. Après, c'est plus le sable, mon cœur, c'est les galets. Hein. Regardez-moi ce petit cadre là. On a un petit terrain de sable en fait sur notre plage. Et l'été, ils mettent des cages de foot et tout. On s'est dit qu'on allait y aller. Bon, ils vont prendre une bonne douche après parce que le sable dans les cheveux, génial. Attention, attention, donne-moi la main. Voilà. Oh. Bon, je vous ai posé sur mon canapé. Les petits sont en train de faire une sieste. Parce que cet après-midi, on va aller voir les canards. On est une petite ville à côté de chez nous qui s'appelle Valmont. Et là-bas, il y a les viviers. Et en gros, là-bas, il y a une petite mare avec plein de petits canards et tout. Donc on va aller se promener là-bas. Ça va leur faire du bien aussi. On profite qu'il fasse encore un peu bon parce qu'à partir de demain, je crois, il commence à pleuvoir. Donc là, je profite que les petits soient au dodo pour préparer mon post sur Insta. Donc là, en l'occurrence, c'est un post pour Sanoflore. Donc c'est des crèmes. Et j'ai décidé de vous en faire remporter une. Donc celle-ci est à gagner sur mon compte Instagram. Donc là j'ai pris des photos et je m'en vais retoucher juste un peu la lumière. Parce que comme vous voyez là, la photo, hop, bon, là vous voyez Léo. Là la photo elle est vachement, enfin la qualité est très jolie. Mais je trouve que pour moi elle est encore un peu trop sombre. Donc je vais la retoucher et c'est vraiment vite fait. J'ai Lightroom sur mon téléphone et en gros je retouche avec Lightroom. Donc là je vais là-bas, je prends... celle-ci parce que c'est celle qui me plaît le plus et en gros j'ai déjà des paramètres prédéfinis en fait et je vais sur créa et voilà. Donc je pense que vous allez peut-être voir la diff, vous voyez là elle est plus sombre et là d'un coup elle est plus claire, voilà. Et en gros je fais juste ça en retouche sur mes photos et bah du coup je vais poster ça là. Moi quand je reçois des produits, bien évidemment que je teste, donc j'en ai gardé une exprès pour vous en faire gagner une à vous, donc la rouge. Et moi j'ai testé la bleue parce que c'est celle qui est un peu plus adaptée à ma texture de peau, enfin surtout à mes peaux, à mes mains qui sont très abîmées. Donc j'ai gardé la bleue, j'ai testé la bleue, ça fait plus de 15 jours maintenant que je teste et je donne mon avis réel maintenant puisque ça fait plus de 15 jours que je l'ai testé. Donc pour moi elle me plaît très très bien, la compo est géniale, c'est des produits bio, vegan, etc. Donc c'est juste le top. Mes mains elles sont toutes douces, j'ai plus aucune cassure, mais ma peau est devenue hyper douce, j'ai plus de sécheresse, plus rien. Enfin bref, j'avais pas vous en parler ici, mais je voulais vous en parler quand même pour vous dire que bah, y a un concours sur mon Insta si vous voulez y participer. Et après, je vous reprendrai une fois que les petits se seront réveillés. Voilà, donc bah, je vous dis à tout à l'heure. Oh, finalement, on se retrouve dans ma voiture.
J'avais pas vu, la poste a déposé un colis à moi, à la poste, au lieu de le déposer chez moi, et ça fait déjà 2 jours qu'il y est, et c'est un colis que j'attends pour le travail. Donc écoutez, génial. Donc là je m'en vais le récupérer. Et bah merci la poste, hein, c'est bien de prévenir. Et bon, ça s'était mis dans mes spams, ils m'ont pas, je sais pas, j'ai pas eu d'avis de passage, rien du tout. Donc je vais prendre le mail et je vais leur faire voir le mail que j'ai eu, en espérant qu'ils me donnent mon colis. De toute façon j'ai pris ma... Je sais pas, c'est une petite enveloppe, je vais vous faire voir après, c'est une petite enveloppe avec du tissu, à part si la vendeuse chez qui j'achète mon tissu a changé son moyen d'envoi et qu'elle passe par des cartons maintenant, mais avant elle envoyait, vous savez, dans des petites enveloppes bulles là, donc ça passe très clairement dans la boîte à lettres. Enfin bref, je vais aller chercher ça, il faut que j'aille chercher des bouteilles d'eau aromatisées pour Kevin, il veut de l'eau aromatisée, donc je vais chercher ça en même temps. Et après je retourne à la maison. Vous voyez ce que je vous avais dit? C'est une enveloppe, ils auront pu la mettre dans ma boîte à lettres. Je comprends pas pourquoi ils... Je sais pas. Elle passe large dans ma boîte à lettres, hein, très clairement. Elle passe. Je sais pas pourquoi il a pas voulu me la livrer dans ma boîte à lettres. Bref, je vais aller voir si les petits sont réveillés. Il fait de plus en plus chaud, c'est horrible. Je vais aller préparer les petits sacs avec les petites bouteilles d'eau, le goûter, etc. Et puis on va aller voir les canards. Bon, on est arrivé au canard. Un autre. Oh là là, tiens. Allez, vas-y. J'ai le bébé canard là. Tiens. Oh là là. T'as vu Léo? Ils arrivent tous. Regarde, ça fait. Il dit viens manger, viens manger. T'as vu Léo les canards? Vas-y. Oh, regarde, viens, viens, viens. Regarde, t'as vu? T'as vu Léo? Oh là là! Mets vers Léo, mets vers Léo. Ça va, faut que j'attire. Allez, venez. Allez, venez. Allez, venez. La tête qui fait. Regarde la tête qui fait, Léo. C'est les canards. Oh là là! Regarde Léo! Oh, amène vers Léo! Viens! Allez! Oh les canards! Regarde! Léo! Léo! On est en pleine promenade! Liam il est fan parce qu'il y a des canards partout! Léo l'a attaché parce que comme il y a l'eau juste là! J'ai clairement pas envie qu'il me fasse un plongeon dans l'eau, hein. Je l'ai attaché, mais par contre, c'est le parcours du combattant. Avec la poussette, c'est pas pratique, pratique. Mais lui, il est fan, quoi. Il en est fan. Il adore, il adore. Il est content parce que les canards, ils lui répondent. Il dit canard. Le canard, il lui répond. Du coup, il est tout content. Je leur parle, regarde. Je vais leur dire bonjour, comment ça va. Quoi, 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 quoi. Regarde, comment ça va le canard. Quoi, 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 quoi. Je pense pas qu'il t'ait compris. T'as vu mon amour? Les canards! T'as vu le canard là? Oh! Est-ce que tu veux savoir son prénom? Ah. Tu veux savoir quoi du canard? Toi aussi tu parles au canard? Oui. Canard, est-ce que t'as faim? Voilà, ça veut dire est-ce que t'as faim le petit canard? Regarde, il a mis des fesses, il twerk. Quoi, 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 quoi. T'as vu, c'est la toilette. Bon, je vous reprends encore le lendemain. J'ai pas fermé le vlog, donc eh bien, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, à partager, etc. Et puis, bah voilà, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo vlog. Bye bye.